Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui en compagnie de Johanna Rambeau. Bonjour Johanna. Salut. Alors Johanna, peut-être que vous la connaissez déjà car elle nous a déjà donné un cours sur YouTube que vous avez sans doute regardé. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous encourage à y aller. Et Johanna, dans la formation Yoga Systema, maintenant s'occupe de tout l'aspect organisationnel au sens large. Alors Johanna, en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu vas faire dans la formation Yoga Systema, puisqu'il y a beaucoup de choses. Alors, un de mes rôles principaux, ça va être de répondre aux emails et faire la communication avec les élèves de Yoga Systema sur le groupe Telegram. Donc, si vous avez un problème, une interrogation, un doute, voilà, vous envoyez un petit mail et normalement, c'est moi qui réponds de l'autre côté. Et puis après, je mets à jour les informations sur le site, toutes les petites tâches administratives, communicationnelles, c'est moi qui vais gérer tout ça. Ok, et puis aussi, Johanna vous soutiendra si vous avez quelques difficultés durant la formation, des petits doutes, des petites questions, même assez pointues sur le yoga, car Johanna a terminé la formation Yoga Systema il y a quelques mois. Et d'ailleurs, elle n'a pas fait que du yoga dans sa vie, donc Johanna, tu peux nous dire peut-être quelques mots sur ton parcours? Oui, moi avant ça, j'avais fait un master en économie gestion pour les pays en développement, donc à Grenoble. Et du coup, j'avais un petit peu commencé à travailler dans cette branche-là. Et puis, en fait, au fur et à mesure de certaines expériences, j'ai décidé de me reconvertir un peu, de changer de voie pour aller vers quelque chose qui me parlait plus. Donc le yoga, je le pratiquais déjà depuis 1 ou 2 ans. Et après, je m'y suis mis plus sérieusement pendant le confinement, d'ailleurs. Et j'ai découvert ta chaîne, Sébastien. Et puis après, du coup, j'ai décidé de suivre la formation parce que ça semblait comme une évidence. Et donc, effectivement, j'ai suivi déjà la formation Yoga Systema, donc je la connais de l'intérieur et c'est ce qui va me permettre aussi de pouvoir mieux vous épauler, répondre à des questions durant votre parcours. Voilà, il faut savoir que Johanna était un très bon élément de la formation et que, elle possède à la fois une grande maîtrise technique des postures. Vous allez voir, car Johanna va aussi donner des cours, notamment de remplacement si j'ai un imprévu, mais peut-être un petit peu plus que ça. Donc même si vous avez des questions assez pointues sur le yoga, sur une posture, sur une technique de méditation, et à la fois si vous avez une question assez pointue sur la formation, l'organisation interne, les vacances, des points même administratifs, vous aurez une interlocutrice privilégiée en Johanna. Si vous voulez retrouver Johanna sur Instagram, vous avez son Instagram qui s'affiche en dessous de l'écran. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Johanna? Oui, si vous voulez aller me suivre sur Instagram, j'essaye de partager des petits tutos ou des petites histoires qui ont lien avec le yoga. Ça peut être aussi un moyen de communiquer. Ou si vous êtes sur la région d'Antibes et que vous voulez des cours de yoga, pour me contacter, n'hésitez pas. Exactement. Voilà. Donc rendez-vous sur Instagram avec Johanna et rendez-vous avec Johanna dans la formation Yoga Systema si vous voulez nous rejoindre. Merci à tous. Merci Johanna et à bientôt. Avec plaisir. À bientôt.